réitérant ses accusations contre le ministre, une ex-callgirl relance une procédure qui avait été classée sans suite par le parquet faute d'infraction. Un dîner, suivi d'une soirée dans un club privé, puis d'une relation sexuelle dans un hôtel. C'est cette séquence, qu'elle dit remontée au 17 mars 2009, que Sophie Spatz a détaillée jeudi dernier 8h du rock devant les hommes de la PJ, comme l'a révélé samedi Le Monde. Une soirée au cours de laquelle cette ex-callgirl, aujourd'hui âgée de 46 ans, assure avoir été violée par Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Action et des Comptes Publics. Constatant que l'acte était toujours au programme, Madame Spatz dira point crochet droit de s'être projetée dans ce qui allait être sa vie future, après qu'elle aura été innocentée. Fermez les guillemets athée, elle explicitement refusait ce rapport sexuel. C'est tout le débat juridique sur le consentement, Martel me tue aillons dit bon. Psychologiquement, M. Darmanin aurait dû être conscient qu'elle était clairement dans l'opposition. Fermez les guillemets juridiquement, l'avocate considère, ainsi que ce consentement a été acquis par surprise, ce qui est l'un des fondements du viol, quand bien même rien ne dit que cette qualification sera retenue à l'issue de l'enquête. Jusqu'à l'avènement du premier gouvernement Philippe, les choses resteront dans l'état. Ayant perdu toute confiance dans le fonctionnement de la justice et dans les politiques, elle n'a pas porté plainte, justifie son mari dans sa lettre à François Barrot. Entre-temps, comme l'attestent des échanges SMS que nous avons pu consulter, Sophie Spatz a continué à échanger avec Gérald Darmanin, au moins jusqu'en 2012. À plusieurs reprises, ce dernier souhaite la revoir pour un verre. Point reconnaît, une fois, être sans doute un sale con.
Cette fois, assure-moi Aïon Ibon, ma cliente a franchi un cap. Elle ira jusqu'au bout. Fermez les guillemets, les avocats du ministre ont déposé plainte pour dénonciation calomnieuse dès juin 2017.